Dans une ambiance de beau temps et de vacances, commence le rallye de l'Acropole, l'épreuve mondiale en terre grecque pour sa 27e édition. À la périphérie d'Athènes, en attendant l'arrivée de toutes les équipes, c'est le moment de brèves vacances. Les prétendants à la victoire, avant de commencer l'épreuve, profitent de prendre un bain de soleil dans cette ambiance de rallye qui semble encore bien loin. Le moment du briefing est l'instant où tous les copilotes se retrouvent pour recevoir les dernières informations sur la course qui s'apprête à commencer. Les voitures et les hommes sont prêts pour les derniers contrôles. Le temps des vacances et du relax est définitivement terminé. Thank you.
spécial en spécial, l'Acropole laisse la côte pour les hautes montagnes internes. Le rythme est toujours très élevé et le parcours de liaison ne laisse que peu de temps pour les assistances qui coûtent beaucoup de points aux contrôles horaires. Mm-hmm.
termine à Kalambaka, la première partie du rallye, avec un parc fermé de 3 heures, avant la boucle de spécial qui les ramène au point de départ vers Athènes. Avec le nouveau parc fermé, le rallye de l'Acropole est à son tournant. L'étape à venir a pour but principal le retour sur Athènes. La première spéciale se déroule dans un paysage unique au monde, le magnifique et mythique décor des météores.